Cet audio a pour but d'aider les personnes à ne pas se trouver des excuses. Prenez une grande inspiration, fermez vos yeux et faites comme si vos paupières étaient complètement collées. Une fois que vous savez que vos paupières sont complètement collées et que vous ne voulez ni ne pouvez les décoller, vous allez essayer de le faire et vous rendre compte que vous les gardez fermées. Essayez ? Très bien. Dans quelques instants, simplement, vous allez vous focaliser sur cette idée. Ne pas abandonner, ne pas se trouver d'excuses. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et simplement répétez-vous « Je ne me trouve plus d'excuses. J'arrête de me trouver des excuses. » Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement restez sur cette idée. Pas d'excuses. Pas d'excuses que je m'écris, pas de scénario que je m'invente. Simplement des faits. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement restez sur cette idée. Soyez bienveillant. Néanmoins, soyez déterminé. À partir de maintenant, et petit à petit, vous allez proposer, suggérer à votre subconscient cette idée. Pas d'excuses, juste des actes, des faits, des feedbacks. Pourquoi ? Parce que il est possible que depuis des semaines, des mois, des années, sur des idées, des projets et des objectifs que vous aviez, vous n'avez pas avancé. Il est possible que vos vies soient pleines de choses, d'événements, de relations. Et bien sûr, que le temps, rapidement, se restreigne. Alors, bien sûr, il peut arriver de se dire « Je remets à plus tard telle ou telle action. » Je n'ai pas pu le faire parce que... Et vous inventez. Créer, développer un travail d'auto-suggestion qui, à longueur de temps, ne donne que des justifications du fait que vous en êtes là où vous en êtes et que vous n'avez pas avancé d'un pas. Parce que, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'une séance d'hypnose pour passer votre temps à vous auto-hypnotiser, à vous auto-suggérer. Vous connaissez, et vous connaissez parfaitement cette méthode. Depuis que nous sommes enfants, nous avons appris à nous répéter en boucle des histoires, des scripts, des scénarios dans lesquels nous validons le fait que nous ne parvenions pas à telle ou telle chose, que nous n'agissions pas sur telle ou telle autre. Aujourd'hui, je vous invite à devenir votre propre hypnotiseur. Et à chaque fois que vous écoutez un MP3, c'est vraiment cela qui est en train de se passer. Vous prenez en compte le fait que vous êtes le meilleur des hypnotiseurs possibles pour vous-même. Depuis des années, vous validez le fait que vous lâchiez vos projets, vos objectifs, que bien sûr, vous évitez de devoir assumer la responsabilité de ne pas atteindre ce que vous souhaitez. Et on l'a déjà vu, vous savez que vous pouvez très bien terminer une tâche, terminer peut-être un objectif pour en recréer un autre parce que celui-ci ne vous convient pas. Parce que celui-ci ne vous représente pas. Parce qu'après avoir mis en place des actes, après avoir été sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas ce que vous attendiez. Souvenez-vous, terminer n'est pas abandonner. Mais abandonner n'est pas terminer. Alors, je vous invite, à partir de maintenant, à vous laisser la possibilité de ne plus vous trouver d'excuses. Quand vous ne faites pas quelque chose, assumez. Devenez responsable. Ne trouvez pas des histoires, ne vous racontez pas des suggestions qui vont simplement vous empêcher, une nouvelle fois, de vous dire simplement « peut-être que je n'ai pas envie, peut-être que je ne peux pas dans les conditions actuelles, peut-être que tout simplement je suis en train de fantasmer, de rêver, de créer un idéal de ce que j'aimerais, mais juste dans ma tête ». Petit à petit, proposez à votre subconscient cette idée. Je mets en place tout ce que je peux pour commencer à tester concrètement les idées, les actions, les suggestions, les orientations que je souhaite. Je sors de mon ordinateur, de mon téléphone, de mes livres, de mes tutoriels et je mets en place. Si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, je corrige. Je modifie, j'améliore.
J'arrête de me trouver des excuses pour ne pas faire, pour remettre à plus tard, pour éviter la confrontation au monde réel. Il est toujours plus facile de se dire « Ah, mais ça va marcher, j'ai confiance, plus tard, ils verront. » Alors qu'en réalité, tout ça, ce sont que des excuses pour ne pas mettre en place dès aujourd'hui un petit pas et un autre. Vous connaissez cela, vous connaissez surtout si vous aimez le coaching, vous aimez les motivations, vous savez que le plus important est dans ce monde concret. Prenez une grande inspiration et simplement restez connecté à cette idée-là, à cette idée qu'il n'y a pas d'excuse. On fait, on ne fait pas. Si on ne fait pas, on assume. Et petit à petit, vous prenez votre posture d'adulte, votre posture de responsable, votre posture qui dit « oui, effectivement, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas engagé, ou je n'ai pas commencé, ou je n'ai pas osé, ou j'ai peur ». Il est bien plus intéressant pour votre subconscient et votre corps d'avoir cette information, cette suggestion. Vous ne rentrez pas en opposition par rapport à vous-même. Par contre, si vous passez votre temps à vous dire « non, c'est pas pour aujourd'hui, mais un peu plus tard » ou « les gens verront bien quand tout cela sera en marche alors que vous ne faites rien », vous êtes simplement en train de vous écrire des histoires pour vous rassurer. À partir de maintenant, vous ne cherchez pas à vous rassurer. Vous cherchez à mettre en place, vous cherchez à ouvrir ces portes, pas à les regarder. Vous cherchez à arpenter le chemin de votre vie, pas à regarder la carte. Vous cherchez à être dans le vivant et à faire. Vous pouvez mettre en place votre être dans cette action et petit à petit, toutes les excuses vont commencer à se dissoudre. À se dissoudre dans le monde du réel, à se dissoudre dans le monde de l'action. Jour après jour, plus d'excuses, de l'action. Jour après jour, vos pensées vont déterminer les actions que vous allez mettre en place. Jour après jour, vous allez accepter que vous dirigez votre barque. Et même si les conjonctures peuvent parfois être difficiles, pensez simplement à faire une petite action dans le sens qui vous intéresse. Ne laissez pas le monde et l'univers vous imposer à chaque fois ce qui se passe. Prenez la responsabilité de ce que vous pouvez faire. Votre force est dans ce que vous pouvez créer, dans les éléments dans lesquels vous avez réellement un impact. À partir de maintenant et petit à petit, je ne me trouve plus d'excuses. Je mets en place. À partir de maintenant, les excuses disparaissent. Je suis simplement dans les faits et dans ma responsabilité. Prenez conscience du bien-être que cela crée en vous. Je suis responsable de dire oui ou non, de faire ou de ne pas faire et d'assumer. Et le fait d'assumer vous évite de perdre de l'énergie à trouver des raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait quelque chose. En assumant, vous commencez petit à petit à vous mettre en route à agir, à rentrer dans le concret, à vous dire non, c'est vrai. Là-dessus, j'ai eu peur. Là-dessus, j'ai pas osé. Et demain, dans quelques minutes, je vais mettre en place. Je vais oser. Je vais aller au-delà. Parce que je le veux, parce que je le souhaite. Et qu'à chaque fois que je vais tester, je vais pouvoir observer ce que je peux modifier, améliorer pour à nouveau tester. Et une fois que tous mes tests commencent à être vraiment opérationnels, je vais simplement pouvoir exploiter ce que j'ai décidé de mettre en place dans ma vie, mes objectifs, mes pensées, mes actions. Vous êtes capable d'être pleinement responsable et de laisser tomber tous ces scénarios d'excuses qui, à partir d'aujourd'hui, vont être de plus en plus courts et de plus en plus inexistants pour laisser simplement place à l'homme et la femme qui a besoin et qui veut, à partir de cet instant, d'être pleinement et complètement responsable et acteur de sa vie, de ses choix et de ses décisions. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux, plein de force, d'énergie, prêt à avancer. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.